Je me mets à genoux, je commence à prier. Le Seigneur commence à se manifester et à un moment donné, c'est comme s'il y a un esprit qui vient me rendre visite. La nuit, pendant que je dors, tu ne peux pas me quitter en ensemble. Et quand c'est comme ça, je lâche la main du Seigneur et je me mets tout à coup à recommencer. Aujourd'hui, quand le pasteur était en train de parler, j'étais assis. Mon cœur battait très fort en moi et c'est comme une masse qui se formait dans ma poitrine. À chaque fois, je fais des rêves où je me vois en train de manger de la nourriture, de la viande surtout. C'est toujours de la viande que je consomme. Et souvent, dans les rêves, je vois des gens qui me disent que je vais devenir sorcier, je vais faire des choses contre mes parents. Je vais les détruire. Franchement, je veux que le Seigneur me délivre. Je suis fatigué. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être la femme des hommes. Je suis fatigué, je ne veux pas. Je veux que le Seigneur me libère de ce truc-là. Je ne veux pas. Je veux servir le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre ce que je dis actuellement. C'est difficile pour moi de me tenir comme ça, de parler. Quand je vois mes camarades qui sont normaux, mes camarades garçons qui sont normaux, qui tombent amoureux des filles, moi je ne peux pas trouver amoureux d'une fille, ça m'énerve. Je ne suis pas content, je n'aime pas ça. Et tout à l'heure, quand le pasteur disait qu'il y avait des reines, des sirènes, des eaux, des reines, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en moi? Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que je n'arrive pas à abandonner ce côté-là? Qui fait que je n'arrive pas à rester sain dans le Seigneur? Franchement, pasteur, je veux être libéré. Alléluia! Parce que le Seigneur est libéré. Thank you.
ton fils va se marier. Jésus, Jésus,
cette fois-ci, je suis complètement, amen, totalement, amen, libéré. Sois béni. Merci de la grâce. Amen. Acclame le Seigneur.